Thank you, Madam President. Now we'll move forward for our debate on the recovery of the cultural and creative sectors and on the new European research area. We have with us our Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and Youth, Maria Gabriel. Thank you so much for your presence. But we have also two videos on the European Capital of Culture programs and the statements from the mayor of Galway and mayor of Rijeka. So before we go to Commissioner Gabriel, we'll just watch this short video reports from the two capitals of culture, Galway and Rijeka, and hear their statements, please. I don't think the problem is from my side. I don't think we are being able to see exactly the videos. So I think we'll move forward to Commissioner Maria Gabriel for a statement in 10 minutes. Madam Commissioner, thank you so much for coming. You have the floor. Commissioner Maria Gabriel, you have the floor for 10 minutes. Okay, Chair, do you hear me? Yes, ma'am, perfectly. Okay, thank you very much. Chers membres, chers collègues, tout d'abord, de nouveau, c'est un plaisir de vous retrouver. C'est la première fois que je vous vois depuis notre dernier débat, donc je me permets de nouveau à tous de souhaiter une année 2021 remplie de concrètes réalisations et de pleines de bonnes actions pour nos régions. Je voudrais également vous remercier de m'inviter aujourd'hui à cette 142e session plénière qui prévoit et qui est une étape charnière pour l'adoption de deux avis importants sur l'espace européen de la recherche et sur la relance des secteurs culturels et créatifs. Alors, ensemble, nous avons signé pour la première fois entre nos deux institutions et avec le président Tsitsikostas un plan d'action pour justement renforcer notre coopération dans les domaines cruciaux que sont la science, l'innovation, la culture, l'éducation et la jeunesse. Et je pense qu'il s'agit d'un élément fondamental pour justement voir comment nous pouvons maximiser l'impact positif de nos actions sur l'ensemble du territoire européen. Aujourd'hui, l'avis sur l'espace européen de la recherche témoigne de votre vif intérêt et de votre soutien. Et je tiens à adresser tout particulièrement mes remerciements au rapporteur Christophe Clergeau pour son travail. Je suis également ravie que le député européen Danica participe à ce débat. Pour ce qui est des secteurs culturels et créatifs, nous le savons tous, c'est un constat aujourd'hui. Ils ont été touchés durement par la crise, mais je suis aussi contente de voir que nous partageons la même analyse. Qu'en est-il des mesures de soutien et qu'en est-il du futur relancement de ces secteurs? Et c'est ici que je voudrais de nouveau saluer les efforts considérables que ces secteurs ont fournis ces derniers mois. Ils se sont mobilisés, ils se sont adaptés. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire de continuer à assurer leur soutien. Merci au rapporteur Giuseppe Varacalli pour son avis.
Je suis ravie également que la députée européenne Laurence Baring va se joindre à nous. Donc, je voudrais également saluer les équipes de Galway et Rijeka pour leurs efforts, pour l'agilité qu'ils ont démontré au cours de cette année particulièrement difficile. Donc, merci beaucoup de la possibilité de discuter ensemble avec vous ces deux avis. Et au cœur de ces deux avis, évidemment, se trouve la notion de synergie. Aujourd'hui, plus que jamais, il est absolument important de mettre à notre service la créativité, nos capacités d'innovation, pour voir comment nous pouvons converger dans les messages et les priorités, mais surtout comment nous pouvons offrir nos forces et que nous pouvons apporter un soutien stratégique et coordonné aux villes et aux régions, comme indiqué dans l'initiative sur l'espace européen de la recherche. Tout d'abord, sur l'espace européen de la recherche. Aujourd'hui, quand on dit l'espace européen de la recherche, mais également l'espace européen de l'éducation et le plan d'action de l'éducation numérique, nous disons clairement que l'Europe devrait tirer profit de ses connaissances collectives. Et ces initiatives ont donné naissance à une nouvelle ambition, une stratégie européenne de la connaissance comme voie à suivre pour que l'Europe reste compétitive et innovante à l'échelle mondiale. En particulier, l'espace européen de la recherche revitalisé, cela revient à dire quatre grandes priorités. Donner d'abord la priorité aux investissements et aux réformes, améliorer l'accès à l'excellence et renforcer les systèmes de recherche et innovation dans l'ensemble de l'Union, améliorer le transfert des résultats de R&I vers l'économie, et enfin progresser vers une intégration plus poussée des politiques régionales, nationales et européennes en matière de recherche et d'innovation. Dès lors, je tiens à le dire, pour moi, les acteurs locaux et régionaux sont essentiels pour garantir une bonne adoption des politiques de recherche et d'innovation à tous les niveaux, en assumant pleinement leurs responsabilités pour faciliter la transition écologique et numérique. Et je suis heureuse de partager avec vous qu'à peine il y a une heure et demie, j'ai lancé ce matin le Forum de l'espace européen de la recherche pour la transition. Nous sommes prêts après 90 jours seulement après le lancement de la communication avec la première réunion de ce forum. Ce forum est un groupe d'experts où chaque État membre est représenté et je tiens d'emblée à le dire, le comité des régions y sera associé. Dès lors, ce groupe d'experts va se concentrer sur la conception de la nouvelle gouvernance de l'espace européen de la recherche, des mécanismes qui l'accompagnent. J'ai leur donné un calendrier très ambitieux pour qu'ils puissent préparer le pacte pour la recherche et l'innovation. Mais aujourd'hui, ce forum nous permet de dire trois messages. D'abord, il s'agit d'un groupe qui va nous assister et qui rédigera le pacte pour la recherche et l'innovation. Ça sera un pacte qui met les citoyens au centre, aux côtés de nos communautés scientifiques et de notre industrie. Et ce sera un pacte fondé sur des valeurs européennes fondamentales qui établit des équilibres, mais dans le même temps, qui est audacieux, ambitieux pour proposer de nouvelles actions et de nouvelles politiques. Dès lors, ce forum pour la transition va établir les liens dans les mois à venir avec le comité des régions et le comité des régions, je le confirme, sera un interlocuteur important dans ce processus de consultation. Ensuite, je voudrais ici mentionner l'importance de notre plateforme d'échange des connaissances, la Knowledge Exchange Platform. Elle fait partie de notre plan d'action conjoint. Elle voudra soutenir ce processus décisionnel et au niveau régional et local. Je suis heureuse d'annoncer que cette année, le premier événement Knowledge Exchange Platform aura lieu en juin au moment des R&I Days et couvrira la dimension régionale du nouveau programme Horizon Europe. Quand on parle espace européen de la recherche, évidemment aussi que nous devons parler de la participation territoriale adéquate dans cet espace européen de la recherche. C'est pour cela, je pense, que nous devons d'une part continuer à veiller à ce qu'il y ait l'accès à l'excellence, mais d'autre part aussi à ce qu'il y ait des synergies entre l'éducation, la recherche et l'innovation, y compris avec les politiques sociales et de l'emploi. Nous avons déjà des initiatives comme les universités européennes. Je reste ici aussi très ouverte quant aux propositions du comité des régions pour voir quels sont les moyens dont nous disposons pour élaborer des stratégies communes, de mutualiser des ressources et en ce moment aller même plus loin sur des sujets tels que l'attractivité des carrières scientifiques, les pratiques en matière de sciences ouvertes, l'égalité des chances
ou encore la circulation des talents et le transfert des connaissances. Dès lors, il est absolument important de continuer à veiller à ce que les synergies entre le programme Horizon Europe et le programme Erasmus+ soient faites, mais c'est ici aussi la possibilité pour moi qui m'est donnée de pouvoir parler aussi des possibilités que nous pouvons utiliser avec le Resilience and Recovery Facility. C'est le moment où nos États membres définissent leur stratégie nationale. Il est extrêmement important d'utiliser cette fenêtre d'opportunité pour pouvoir renforcer le rôle de nos régions et pour voir à ce moment comment on peut ensemble assurer les transitions économiques et numérique. C'est pour cela que, je voudrais le dire, nous prévoyons que la dimension régionale sera étudiée dans un nouveau tableau de bord de l'espace européen de la recherche qui va permettre de suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre à partir de 2022. Et c'est pour cela que il me semble que l'innovation régionale, les pratiques qui existent au niveau régional sont extrêmement importantes pour pouvoir suivre et alimenter le résultat final. Je mentionnerai très rapidement que nous avons des initiatives qui visent directement notre coopération avec les régions. Je parle ici des R-Hubs qui visent à stimuler l'innovation locale, la mise à niveau des compétences, la connectivité inter- et intra-régionale, tout comme une coopération transnationale plus large qui pourra se faire grâce à la mobilisation des ressources, des réseaux et des acteurs au niveau nationaux et locaux. Je voudrais maintenant passer à la culture. Je souhaiterais mettre l'accent sur trois domaines: l'échange d'informations, la mise en réseau et l'apprentissage mutuel, et trois, la valeur ajoutée du financement de l'Union européenne. Tous ont reçu une attention particulière dans votre avis. En premier lieu, l'échange d'informations. Pour faire en sorte que les opportunités mises en avant aient un impact sur l'ensemble du territoire, nous devons communiquer le plus possible avec toutes les parties prenantes. Nous avons commencé à échanger rapidement des informations avec les États membres sur les mesures mises en place depuis le premier jour de la crise du COVID. Et votre commission CEDEC a également participé. Vous avez disséminé l'information, vous avez partagé les bonnes idées de vos villes, de vos régions qui sont mises en place pour soutenir les artistes et les professionnels. Nous avons également lancé une plateforme Creative Unite qui connaît un succès considérable, avec aujourd'hui près de 30 000 utilisateurs depuis son lancement, et elle contient également des actions mises en place par les autorités locales. Deuxième, l'apprentissage mutuel. Le programme Europe Créative soutient des réseaux culturels dans des domaines allant de la musique ou des arts du spectacle au patrimoine, à l'architecture ou encore à l'édition. Aujourd'hui, au nombre de 28, ces réseaux ont tous joué un grand rôle en tant que porte-parole des secteurs culturels pendant la pandémie, mais aussi dans le partage des données, en proposant des solutions et en s'engageant dans un dialogue constructif avec les décideurs. Certaines organisations ont été également d'une aide précieuse. Par exemple, le réseau des organisations de musées européens, le NEMO, qui a partagé des données sur la situation des musées dans toute l'Europe. Europa Nostra, qui œuvre dans le domaine du patrimoine, ou encore Culture Action Europe, qui co-dirige la campagne de sensibilisation Impact culturel pour l'Europe en faveur d'un budget européen ambitieux en faveur de la culture. L'apprentissage mutuel est plus important que jamais. Et c'est l'approche. Please be aware of time, madame. Yep, je vais finir. L'apprentissage mutuel, je l'ai dit, j'insiste, dernier point sur le financement. Aujourd'hui, nous avons tout un tas d'instruments horizontaux dans lesquels la culture est inclue. Va falloir qu'on continue à sensibiliser les États membres pour pouvoir les utiliser. 60% d'augmentation du budget de l'Europe créative. Je pense que nous devons absolument utiliser ces nouvelles possibilités. Quelque chose de plus, de grandes nouveautés. Un nouveau cluster culture dans le cadre du programme Horizon Europe et un nouveau kick sur les cultural and creative sectors avec le European Institute of Innovation and Technology. Il sera absolument nécessaire de veiller à ce que ces synergies nous donnent la possibilité d'utiliser de nouveaux instruments, d'établir de nouveaux partenariats et ainsi mieux soutenir le secteur. Ici encore, j'insiste et je conclus, Monsieur le Président, les autorités et les acteurs locaux et régionaux ont un rôle crucial dans ces processus. Ces programmes peuvent se traduire en des actions menées sur le terrain, à proximité des citoyens, uniquement
et aussi avec le soutien de nos régions. Donc maintenant, je vais pouvoir m'arrêter là. J'imagine qu'au cours de la discussion, il y aura des sujets sur le Bauhaus. Je reste à vos dispositions pour les questions. Vous le voyez, Thank you. Vos avis sont tellement riches qu'il est difficile en 10 minutes Thank de you, pouvoir madame. Y réagir. Thank you. Thank you. Now I'll give the floor to the mayor of Galway, Mike Cubbard. You have 2 minutes. Commissioner and colleagues, greetings from Galway City. Whilst our opportunity to showcase Galway as European Capital of Culture 2020 was severely hampered by COVID-19, we're extremely grateful to Commissioner Gabrielle for her efforts in securing an extension of our designation to April 2021. Your support, Commissioner, has greatly been welcomed here in Galway and allowed us to deliver further aspects of our programme, although through new online activities and avenues. We've worked extremely hard with our culture partners, stakeholders and funders to make the programme a reality. This pandemic has had and continues to have a significant impact on the cultural sector. However, the programme to date has supported the work of over 500 artists with 18 further projects to be launched in the months ahead. Culture and creativity are a very important part of our economy and reflects our European values and ways of life. This sector has been among the most severely affected by the pandemic. Our tourism sector has also been severely affected, and a working towards the recovery of our tourism opportunities will present for us to actively promote our culture worldwide. I welcome all the supports already put in place by the European Union for the cultural sector. At local level, we are working closely with the Regional Assembly and our Ministry to explore possible opportunities for funding of our cultural and creative sector through ERDF operational programme. The impact of COVID on the arts and cultural sector has been detrimental and will last longer than in any other sector. The survival, recovery and sustainability of the sector is dependent on economic policy and decision making in the short and the long term. This is urgent in the sector, Commissioner, as it now faces two enormous challenges. One, how can people survive in the sector until it reopens? And two, how can the sector retain the artists, retain the creative, technical and production and support workforce in the background who have the skills and the talent? And how will we ensure those skills and talents are retained for visitors and indeed locals to enjoy in better times? As many initiatives are considered and implemented by the EU, please be aware of time. The need exists for a clearly earmarked funding stream for a culture and creative sector to aid the recovery. Whilst many recommendations will be discussed at national level, there will be a need to be administered at local level. Therefore, I would encourage those listening to support local and national governments in their calls for financial support. Only by working Thank together, you. We can ensure the sector will not be left behind when the world reopens, and by working together as one European family, we can give those working in the sector the confidence they need Thank to you. Lead the recovery. Gramagat. Thank you. Mr. Obersnell, Mayor of Vychenka, you have the floor for 2 minutes. Good morning from Rijeka, still European capital of culture. As you can see from the video, despite the difficulty circumstances, we managed to successfully implement part of the Rijeka 2020 program. The pandemic definitely confirmed the importance of arts and culture for the overall well-being as well as social inclusion, emphasizing importance of the digital sphere in creating a hybrid experience with both visual and physical interaction. However, despite the fact that we have achieved to implement such revised program, I have to say that European Capital of Culture project suffered a devastating blow with a large scale financial reduction. For example, we reduced our budget by 40%. All that leads us to the conclusion that revised cultural policies are needed that put audiences in the core while taking care of the sector's needs, as well as transversal approach and connection with the other sectors. The lessons learned from ECOC experience could certainly bring contribution to new cultural policies dialogues, which, by my opinion, cannot be implemented without an overall framework of the European level, with finance mechanism targeting specifically culture and artistic area. In a time when the utmost priority for all countries is the rehabilitation of their economies, we cannot expect national policymakers to prioritize and distribute the EU recovery funds in the area of culture,
having, of course, public health and economic growth as their main targets while fighting the COVID pandemic in all countries, especially in case of Croatia. Please be aware of time. This is necessary that the European Commission must take into consideration the possibility of increasing its financial support and participation with the ECOC project, enabling countries to continue with the implementation of the project in the adequate way. Thank you so much. Now, we have 21 members who want the floor to intervene. I'll give the floor for Tanya Ristova for 2 minutes. Please be aware of time. Now I'll give the floor to Yelena Drehanin. 2 minutes. We're going to move on. Now I give the floor to Karin Glowanek-Martin. Yelena Drehanin, we don't hear. Okay, do you hear me now? Now, go ahead, 2 minutes. I can't hear you. Go ahead, 2 minutes. We're having difficulties communicating. We'll move on to Karin Glowanek-Martin and then Christophe Glerjou. Karin, you have 2 minutes. Monsieur le Président, merci. Madame la Commissaire, chers collègues, partout en Europe, la crise du Covid et sa gestion ont un impact dévastateur sur le secteur de la culture, ça a été rappelé, encore plus asphyxié depuis la seconde vague de la pandémie. Dans les meilleurs cas, les acteurs culturels, les artistes, sont au chômage temporaire en attendant des jours meilleurs, mais dans la plupart des pays, les travailleurs des secteurs culturels ont un statut précaire, ce qui est souvent le cas, et des millions d'emplois ont disparu. Ne plus se retrouver au théâtre, au cinéma, au musée, c'est une grande privation pour le bien-vivre et pour le lien social. Vous êtes d'accord avec moi, Madame la Commissaire, la culture, c'est un secteur stratégique pour l'Union européenne, en termes de valeurs, en termes d'histoire, en termes de mode de vie européen, autant qu'en termes économiques. Et pour le groupe PSE du Comité des Régions, il est urgent de garantir la santé et la sécurité de tout le monde culturel. La culture et la création, en Europe, forment une catégorie atypique, représentant symboliquement notre diversité, souvent de tailles différentes, mais se caractérisant surtout par une prépondérance de petites structures, des PME ou des travailleurs indépendants aux revenus irréguliers. Aussi, nous demandons un cadre européen pour que les conditions de travail dans les secteurs de la culture et de la création existent au niveau européen, à l'instar du socle européen des droits sociaux. Nous souscrivons d'ailleurs pleinement à l'appel du Parlement européen qui invite à prévoir des aides conséquentes, principalement basées sur des subventions pour les industries et le secteur de la culture et de la création. Et nous sommes d'accord sur la nécessité de réserver au secteur de la culture et de la création, en fonction de leurs besoins spécifiques, au moins 2% pour la facilité pour la reprise et la résilience consacrée à la relance. Madame la Commissaire, c'est tout le monde culturel, notre culture, qui est en chute libre. L'Union européenne se doit de fournir un filet de sécurité aux personnes travaillant dans ces secteurs. Je vous remercie. Thank you. Now I'll get back. Please, you have to disconnect your phone, Karin. Now we will get back to see if Tanya Ristova is with us already. No. Now, Yelena Drehanin, are you with us? No, I'll give the floor to Christophe Clerjou for 2 minutes, and then François Decoster. Oui, merci. Bonjour, Monsieur le Président, chers collègues. Je voudrais d'abord remercier la commissaire Gabriel. Please check your sound. It's too low.
No, we cannot hear you. We'll try again. Mr. Elena Drehanin, are you with us already? We seem to have some technical difficulties. I asked the services to see if they can help us. Elena Drehanin. No, let's see if we can now have Christophe Clerchot. No, François de Coster, 3 minutes, you have the floor. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame la Commissaire, mes chers collègues. Je pense que peut-être ces problèmes techniques sont un révélateur du risque qu'a fait courir la crise sanitaire, la culture, celle d'éteindre sa voix et son expression, alors que, de toute évidence, sans la rencontre avec le public, la culture n'existe plus vraiment. Et c'est peut-être symbolique que notre débat soit aussi un peu perturbé pour ces raisons techniques. Ce que je voulais dire, Madame la Commissaire, c'est que cette crise sanitaire, ça a été véritablement un révélateur des spécificités de la culture. Vous l'avez dit dans votre introduction, nous avons pu constater combien elle manquait dans la vie quotidienne des Européens. Un exemple, la culture et le patrimoine ont été une valeur refuge dans ma commune de Saint-Omer. C'est un véritable emballement qui a accompagné la sélection d'un chantier de réhabilitation d'une église du Moyen-Âge de notre ville à la liste des 7 merveilles européennes en péril par Europa Nostra que vous avez cité tout à l'heure. Mais on a vu que cette crise sanitaire, elle révélait la grande fragilité de l'économie de la culture. Mes collègues l'ont déjà exprimé. Nous avons fait preuve, les collectivités locales, parce que c'est au cœur de nos compétences, d'une forte agilité pour essayer de revoir un petit peu la manière dont nous accompagnons le financement de la culture. La région Hauts-de-France, dont je suis l'élu, a revu très rapidement son règlement financier pour pouvoir tenir compte de l'impossibilité de réaliser les programmations qui avaient été soumises pour obtenir les subventions. Et puis cette agilité, c'est celle naturellement des acteurs de la culture. Je préside l'Orchestre National de Lille et finalement nous sommes allés chercher de nouveaux publics grâce au passage au digital, et je crois que cette leçon doit nous accompagner pour l'après-Covid. Mais cette durée de la crise sanitaire, c'est vraiment le danger mortel aujourd'hui. Il faut qu'on fasse preuve d'initiative. Je voudrais bien vous entendre évidemment sur le nouveau Bauhaus européen, qui est une formidable initiative que vous avez prise il y a quelques jours et qui montre bien qu'on est en train de changer la nature même de notre message et de notre action dans le domaine culturel. Mais c'est aussi toute la question des financements publics qu'il va falloir revoir très probablement, et puis faire en sorte que toutes les innovations qui ont été celles des collectivités, des acteurs de la culture, eh bien, restent aussi pour pouvoir refonder aussi, j'allais dire, le cadre dans lequel nous allons prolonger les politiques culturelles. Je pense qu'il y a un rôle très important de la Commission pour pouvoir créer des assises européennes du rebond de la culture dans quelques mois ou dans quelques semaines, je l'espère, parce que je voudrais qu'on puisse faire démentir peut-être ce que le philosophe Jean Guiton disait: la culture, c'est le souvenir d'un parfum dans un flacon vide. Eh bien, tout simplement, je crois que notre devoir, c'est de faire que ce flacon de la culture ne soit pas vide, ou en tout cas pas trop longtemps. Je vous remercie. Thank you, François de Coster.
I'll get back from the representative from EPP. Tanya Ristova, 2 minutes. You have the floor. We'll move on. Elena Drehanin, you have the floor. 2 minutes. Christophe Clergeau, you have the floor. 2 minutes. Christophe, go ahead. You have the floor. Two minutes. You can hear me. Now we can hear you. Go ahead. Two minutes. Okay, thank you. Merci, Madame la Commissaire, pour les propos que vous avez eus, notamment sur les questions de recherche et d'innovation. Merci pour le rôle que vous voulez faire jouer au Comité européen des régions et également pour l'approche qui est la vôtre, centrée sur la créativité, centrée sur l'innovation, y compris sociale, et les liens entre connaissances et recherche. Croyez bien que les élus du Comité des régions souhaitent être pleinement actifs à vos côtés pour la mise en œuvre de l'espace européen de la recherche. Nous souhaitons en effet être dès maintenant partie prenante. You have a bad connection, Christophe. We cannot hear you. We'll move on. Now I'll give the floor to Mr. Juraj Droba, 2.5 minutes, and then Kieran McCarthy for 2 minutes. Mr. Droba, you have the floor, 2.5 minutes. Thank you very much, dear Madam Commissioner. The pandemic has shown the vulnerability of culture and creative industry. According to various statistics, Europe's cultural and creative sector has been hit harder by the pandemic than any other industry, maybe with the exception of tourism, aviation, and Congress. The sector is important for economies. It's mainly made of SMEs and independent business people, and especially independent culture has been hit very, very hard and is in a difficult situation. Local and regional authorities have very big competencies in the area of culture, and many of us have different kinds of grant schemes. For example, Bratislava region in Slovakia, which I represent in the Committee of Regions, has established a very popular regional subsidy scheme for the cultural sector. And last year, our budget was hit very badly. Fortunately, we found a commercial partner, a big bank, and we did the sharing. We split the budget, basically, so we continued with supporting the culture. I believe that in exceptional situations, we have to look for effective ways to support this sector. I think it makes us Europeans European when it comes to the cultural literacy, and this is the area where we really need to start finding creative and new solutions for supporting the sector. Madam Commissioner, culture and creative industry is in a difficult situation, and it's very difficult for people who are working in this area. Many of them already lost the jobs. Municipalities, of course, do everything they can, but I think we will need the big support of the European Commission in order to make this sector restart again. And I'm counting on your support. Thank you very much. Thank you, Mr. Droba. Now I'll give the floor to Kieran McCarthy for 2 minutes. After him, Ufuk Kaya. Mr. McCarthy, you have the floor. 2 minutes. Thank you, Madam Commissioner. Thank you, as always, for your enthusiasm and energy. When culture and arts are in crisis, they take down with them a host of other tangible and intangible aspects of our life and economy. My own city of Cork, Madam Commissioner, is a former European capital of culture. It has 30 festivals every year, 100 days of festival life, and each one of the festivals and each one of the days collapsed due to COVID, and many affected the way of life of my city and region. For each festival, my city missed out on millions and millions and millions of euros in visitor revenues, which had a knock-on effect on my local authorities' revenue.
My city's festivals have reimagined some of their programme and managed to earn back some small percentage of their original agenda. And definitely hearing firsthand from cities such as my own and others in a similar position can give ideas to other cities that are really struggling on adaptation strategies. Unfortunately, 2020 and probably a good part of 2021 have been lost, but we must look at the future, taking into account the lessons learned. I agree with your sentiments that we need more exchange of information and more practical synergies among policies and structural funding possibilities. But overall, we need more visibility of what supports are in place. If there is a successful culture and creative cities monitor, I am calling today for a recovery monitoring tool or way more visibility for the Create Unite tool that you actually mentioned. We as local and regional authorities want to contribute more with our experience and our proximity to practitioners and citizens. So, Madam Commissioner, the COR stands ready to help you in your cultural recovery brief to give insight and practical experience and examples from the ground, but in particular to give visibility to your DG's ideas. Many thanks. Thank you, Mr. McCarthy. Now I'll give the floor to Ufu Kaya for 2 minutes. You have the floor, Mr. Kaya. Now we will get back. Is there from EPP, Tania Ristova, are you there? Dear Commissioner Gabriel, greetings from Gabrovo. And on behalf of the EPP group, I would like to express our gratitude for your continuous engagement and support to the Committee of the Regions and local and regional authorities. We all see that the COVID crisis is testing our capacity to think and act in unconventional way and to create effective measures. Education, research, innovation and culture are deeply anchored at local and regional levels and are key for the Europe's cohesion, sustainable recovery and smooth transition to carbon neutral economy. Now that we are already achieving an agreement upon the joint action plan, it is time to mobilize our ambition and efforts to realize it in a bottom-up approach and together with our citizens. Let me mention and emphasize something concerning culture, cultural heritage, and creative sectors. It is very important now to promote the European values and identity via education and culture at regional and local level and to encourage strengthened cooperation. Now, being at the beginning of the new programming period, we need to be sure that the cultural and creative sectors are really recognized as an integral part of the economic, social, and environmental recovery plans, and that we, local and regional authorities, will be able to apply innovative and integrated approaches in order to achieve spillover effects towards other crisis-hit areas such as tourism, transport, education. It is an important element as restoration and adaptation of that sector for the future to develop and to disseminate digital cultural content which is accessible to citizens. For example, the New Horizon Europe program must lay foundation for collaboration and experimentation. And finally, I would like to mention interregional dimension of cooperation and to suggest an initiative, Culture Meets Regions, following Science of Region, of Science Meets Regions, a joint action of Committee of the Region and JRC. Thank you. Now, Ms. Yelena Drehanin, 2 minutes. Now we move on. Ufuk Kaya, 2 minutes.
Thank you, Mr. Chair. Dank u wel, voorzitter, voor het woord. En dank ook aan de commissaris voor de heldere betoog. Mijn stad Den Bosch heeft een groot cultureel aanbod en een actieve creatieve sector. Dit vraagt voor een levendige stad waar het fijn wonen en werken is. Niet alleen voor de stad voor cultuurliefhebbers, maar ook voor makers. In alle sectoren en in alle soorten en maten. De gemeente ondersteunt interessante culturele plannen door middel van cofinanciering, netwerk en kennis. De coronacrisis is een grote klap voor de culturele en creatieve sector in heel Europa. Voorstellingen die zijn afgelast, musea die zijn gesloten en tours die niet doorgaan. In essentie, ruimte om te bewonderen en te verwonderen is vervallen. Een sector die al weinig financiële reserves had, ziet in één klap al haar inkomsten vallen. De nationale overheden doen haar best om veel instellingen overeind te houden. We zien echter dat het vooral om nationale instellingen gaat die veel financiën ontvangen. Europa kan daarom het steun het beste focussen op regionale instellingen. Instellingen die ontzettend belangrijk zijn voor de leefbaarheid van steden en regio's. Het is op lokale niveau waarin Europa het meest impact kan hebben en daar kansen kan creëren voor makers en voor de creatieve sector. Kan ik van de commissaris horen hoe zij ervoor gaat zorgen dat de Europese steun vooral zal focussen op lokale en regionale instituties? Dank u wel, voorzitter. Thank you. I now give the floor to Anna Magyar, 1 minute, follows Gary Woop. Anna Magyar, you have the floor, 1 minute. Thank you. Dear Commissioner, Europe has a rich cultural heritage. I always admire everywhere in the EU the unique buildings, nice cities and small villages showing the hundreds and thousands of years heritage and also the traditional arts, handicrafts, dances. I'm happy to discover also the culture of the minorities, the Sami in Scandinavia, the South Tyrol mixture of cultures, the Basque minority culture, or last but not least, the secular minorities in Romania, in secular land, with their unique houses, wooden gates, folk dances, costumes, characteristic food, nice language dialect. There must be a balance in the culture. Yes, it is important to support creative sector, but we have to insist on our roots of diversity or cultural heritage coming from all the nations and from all the minorities. Let's be proud of it, include in our everyday modern life. Thank you. Thank you. Now, Mr. Gary Woop, 1 minute, follows Dietmar Brokes. Gary Woop, 1 minute, you have the floor. Frau Kommissarin, Herr Vorsitzender, Herr Präsident, liebe Damen, Kolleginnen und Kollegen, Berlin hat sehr erfolgreich mitgeworben dafür, dass Kultur explizit in der Bezeichnung des Arbeitsbereiches der Kommissarin erwähnt wird. Kultur und kulturelles Erbe sind wichtig für die Identität und auch unsere Reflexion zur Gegenwart und den Dialog in unseren Gesellschaften, sowohl europäisch als auch in Berlin. Kultur zeigt Vielfalt und stärkt die Demokratie. Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist ein sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor in Berlin mit über 200.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und dazu kommen noch einmal 100.000 Selbstständige. Covid-19 belastet die Künstlerinnen und Künstler in ganz besonderer Art und Weise. Auch die Bereiche der Veranstaltungswirtschaft liegen brach. Es gibt keine Gäste, keine Touristen, keine Veranstaltungen. Das belastet die Künstlerinnen und Künstler. Wir haben eine sehr spezifische Clubkultur in Berlin entwickelt, die auch darunter leidet. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Programme, die wir schon nutzen aus EFRE und ESF oder Creative Europe, auch für den Wiederaufbau und die Resilienz dann in Zukunft genutzt werden. You have to conclude. Danke. Now I give the floor to Dietmar Brokes. 1 minute follows Mr. Smolka. Dietmar Brokes, you have the floor. 1 minute. Herr Gabriel, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Kultur- und Kreativsektoren sind in allen europäischen Regionen hart von der Corona-Krise betroffen. Das wird ja auch gerade in unserer Debatte sehr deutlich. Auch in meiner Region, in Nordrhein-Westfalen, leiden die Menschen dieser Bereiche unter den harten Pandemiebeschränkungen. Und deshalb wird es auf die Innovationskraft dieser Sektoren ankommen, um sie zukunfts- und krisenfest zu machen. Das geht nicht ohne gute Rahmenbedingungen und gezielte Unterstützung.
Wir in Nordrhein-Westfalen haben langjährige Erfahrung mit der Unterstützung einer stets digitaleren Kultur- und Kreativwirtschaft. EFRE-Mittel und andere EU-Fördergelder werden gezielt mit Landesprogrammen ergänzt. Mit dem Kompetenzzentrum Kreativ NRW machen wir Kreativen ein breites Serviceangebot von Kontaktvermittlungen, Veranstaltungen, Wettbewerben, Förderung bis zur Qualifizierung. Aus der Praxis wissen wir, wie wichtig das Schlagen von Brücken zwischen den Kreativ- und Kultursektoren zu den anderen Bereichen ist. Meine Damen und Herren, in Nordrhein-Westfalen wird die Kreativwirtschaft als Querschnittsbranche mit hohen Innovationspotenzialen angesehen, die es weiter zu fördern gibt. Vielen Dank. Thank you. Now the floor is of Mr. Smolka. 1 minute follows Satu Apanen. Mr. Smolka, 1 minute. Szanowna Pani Komisarz, szanowny Panie Przewodniczący, szanowne koleżanki i koledzy. W 2000 roku Kraków, stolica Małopolski, był europejską stolicą kultury. Co wtedy realnie przyczyniło się na rozwój tej części naszego regionu? Dlatego cieszymy się, że jest zwiększony budżet na właśnie program Kreatywna Europa. W 2023 roku Małopolska będzie gospodarzem Igrzysk Europejskich, dlatego korzystając z obecności Pani Komisarz Marii Gabriel, zwracam się z uprzejmą prośbą, z apelem mieszkańców województwa małopolskiego o rozważenie możliwości skorzystania z analogicznego programu dedykowanego właśnie europejskim wydarzeniom sportowym. Z całą pewnością byłoby to duża szansa na uzupełnienie działań post-covidowych, uruchomionych działań z poziomu Unii Europejskiej na pewno wzmocniłoby nasz region, ale również przyczyniłoby się do wsparcia sportowej aktywności mieszkańców naszego województwa, ale również myślę, że ościennych naszych regionów. Jak dotąd nie powstał instrument umożliwiający finansowanie, dlatego też apelujemy. Dziękuję bardzo. Now I give the floor to Satu Apanen, follows Christoph Klichschuh. Satu Apanen, 1 minute, you have the floor. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisa komissaari Gabriel, oli todella inspiroivaa kuunnella teidän puhettanne, sillä nimittäin ja todellakin tiede ja taide ja kulttuuri eivät tunne rajoja. Tervehdys täältä Oulusta, Pohjois-Suomesta, 11 asteen pakkasesta ja täällä me teemme kulttuuria sisällä ja ulkona. On tärkeää, että kulttuurilaitokset avataan mahdollisimman pian ja että elpymisrahastosta ja muilla toimin tuetaan luovia aloja, jotta ne vahvistuvat jälleen ja voivat täyttää oman tärkeän yhteiskunnallisen tehtävänsä. On tärkeää huolehtia, että luovat alat säilyttävät vetovoimaisuutensa myös tulevaisuudessa alan ammattilaisten ja ammattia valitsevien nuorten keskuudessa. Korona-aika on pakottanut taiteilijat miettimään uusia tapoja tehdä luovaa työtä ja siten korona-aika on kyllä tuottanut uudenlaisiakin ratkaisuja. Ja jotkut kulttuuritapahtumat ovat tulleet jopa suuremman yleisön saavutettavaksi. Tämä ei kuitenkaan poista sitä huolta, jatkuvaa epävarmuutta ja taloudellista menetystä, minkä kulttuuri- ja luovat alat ovat kohdanneet. Lisäksi kulttuuri kokee kärsineensä epäoikeudenmukaisuutta siinä, että joissakin maissa esimerkiksi ravintolat ja kauppakeskukset ovat saaneet jatkaa toimintansa, mutta teatterit ja konserttisalit ovat pysyneet suljettuina. Lauantaina juhlimme täällä saamelaisten itsenäisyyspäivää. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Now I give the floor to Christoph Klichschuh, rapporteur, 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues. Quand j'ai été interrompu tout à l'heure, je crois que certains d'entre vous ont pu m'entendre, j'insistais sur la volonté des membres du Comité européen des régions d'être très présents dans la mise en œuvre de l'espace européen de la recherche. Alors, nous souhaiterions évidemment, bien sûr, vous l'avez dit, être associés au forum pour la transition de l'espace européen de la recherche, mais également en être véritablement partie prenante, puisque c'est là que va se faire le débat sur le pacte pour la recherche et l'innovation et pour la mise en œuvre notamment des ERA Hubs. Alors j'insiste tout particulièrement sur les ERA Hubs et nous ferons des propositions pour que ça devienne véritablement des points d'appui pour développer la recherche et la science sur le territoire concerné. Allô Christophe, oui, we lost you. Je vous entends. Je suis à nouveau là.
Now we're going to move on to Mr. Andros Karyanis for 1 minute, follows Adam Karaxoni. Mr. Karyanis, 1 minute, please. Mr. Karaxoni, you have the floor for 1 minute, follows Vincenzo Bianco. Mr. Karaxoni, the floor for 1 minute. Dear Commissioner Gabriel, dear colleagues, European cultural heritage is a main element and source of our identity, thus the Union needs to protect it in practice. Therefore, we cannot keep silent about that European Christian cultural heritage is in danger and needs protection. According to a survey, 80% of EU citizens deem it necessary to protect religious buildings. Despite of this, in European cities and regions, we can witness hundreds of religious buildings being destroyed and Christian memorial places falling victim to vandalism. Surrendering and not protecting our cultural heritage will result in a surrender and lack of protection of our fundamental identity and European way of life. Thus, we must not forget that Europe can only remain strong if it is constituted by strong nations with strong identities. Thank you, sir. Now I'll give the floor to Mr. Vincenzo Bianco for 1 minute, follows Agnes Campal. Mr. Bianco, you have the floor. Grazie, Presidente. Un apprezzamento sincero alla commissaria per il suo intervento. Un ringraziamento al collega Pino Varacalli per la qualità del suo rapporto. Voglio ricordare soltanto che il Comitato delle Regioni già nel 2019 ha approvato un importante parere su questo argomento e vorrei sottolineare due aspetti in particolare. Uno, esigenza assoluta di migliorare la qualità delle comunicazioni telematiche, soprattutto nei centri piccoli e nei centri di montagna. L'emergenza della pandemia sta dimostrando che ci sono due Europe, quelle connesse e quelle con difficoltà di connessione. La seconda questione è destinare risorse importanti non solo al restauro dei beni culturali, ma anche all'utilizzo dei beni culturali, come fattore di turismo culturale per dare lavoro soprattutto ai giovani. Sono priorità molto importanti, credo che la nostra commissaria lo riprenderà. Grazie. Thank you, Mr. Bianco. Now I give the floor to Campal. Agnes Campal, 1 minute, followed by Martin Heitinger. Mr. Campal, you have the floor. Je parle. Bonjour, Madame la Commissaire. Je voudrais d'abord vous remercier pour votre enthousiasme et votre engagement à soutenir l'espace européen de la recherche et bien sûr la culture créative. La pandémie a fait mesurer à chacun de nos concitoyens à quel point la fuite des cerveaux de nos chercheurs pour pouvoir poursuivre ailleurs leurs recherches, et notamment des chercheurs français, est une véritable calamité. Et l'espace européen de la recherche est vraiment quelque chose dans lequel les collectivités vont vouloir s'impliquer pour arrêter cette hémorragie fatale. Pour ce qui est de la culture créative, nous sommes extrêmement contents d'apprendre les mesures et le soutien que vous allez apporter à ce domaine essentiel. Et nous, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, terre de culture, en est un exemple de conséquences tragiques de cette pandémie. Je vous sollicite peut-être pour essayer de mettre Thank en place. You, ma'am, you have to conclude. Yes, Thank une you. Stratégie coordonnée pour le déconfinement des lieux culturels. Merci, madame. Car il y a un véritable chaos dans chaque Merci. Pays. Merci. Merci. Now I give the floor to Martin Heitinger, 1 minute, followed by Andros Karyanis. Heitinger, you have the floor. Now I give the floor to Mr. Karyanis for 1 minute, followed by Deirdre Forde. Mr. Karyanis, you have the floor, 1 minute. Can you hear me, Mr. President, now? Yes, please, yes. Go ahead. Yes, thank you, Mr. President, dear Commissioner. Thank you for giving me the floor to speak in the short period of 1 minute about culture and artists in general. I will be very brief. My request to the Commissioner is to support culture as European Union, but as local governments too, we also have
to support the culture and the artists, because coronavirus pandemic caused the closure of theaters, music halls, museums, cinemas, galleries, and caused unemployment among artists. As local governments and as representatives of our people in the Committee of the Regions, we must promote culture in our everyday life, because culture is our way of living, and without culture, we become poorer in education, ideas, and learning. Thank you very much. Thank you. Now the floor is of Dietrich Forde, 1 minute, followed by Giuseppe Varacalli. So Forde, 1 minute. Now I give the floor to Giuseppe Varacalli. Thank you very much, Mr. Chairman and Madam Commissioner. Albert Einstein once said, logic will take you from point A to point B, but imagination will take you everywhere. Therefore, I welcome the albeit modest increase in the Creative Europe programme and my government's efforts to shore up the sector, particularly in my city of Cork, at this vital time. The culture and creative sector often operates in small, non-traditional business models, so flexibility of funding is vital to reach those operating at local and regional areas. The most significant issue for the sector is cash flow, and there is a perception that funders are more focused on knock-on effects. I think we lost Deirdre. I now give the floor to Giuseppe Varacalli for 1 minute. Sì, grazie. Grazie al commissario europeo Mary Gabriel per questa opportunità di essere presente qui nella discussione del mio parere, come è stato nella commissione. Io ritengo che il nostro lavoro ha fatto emergere la reale gravità della condizione in cui versano i settori culturali e creativi a causa del Covid. È stato anche detto dagli interventi che mi hanno preceduto, la commissaria stessa ha riconosciuto quello che è il ruolo degli enti locali. Io propongo un maggiore coinvolgimento del Comitato delle Regioni e, se possibile, la commissaria europea, che possa creare un gruppo di lavoro che coinvolga sia il Comitato delle Regioni sia il Parlamento europeo, perché la situazione è grave, grave veramente per le cose che è stato detto. Quindi per vedere come trovare insieme le possibili vie d'uscita affinché questo settore si possa risollevare, che non è facile. È anche una perdita dal punto di vista dell'identità culturale che si perde se non si opera. Quindi un appello, il mio appello a Maria Gabriel è questo, di fare questo coordinamento, gruppo di lavoro, diciamo, tra Commissione, Parlamento Europeo e Comitato delle Regioni. Grazie, buon lavoro a tutti. Thank you. I now give the floor to Martin Heitinger. You have the floor, 1 minute. Now I give the floor to conclude this session. First to Christophe Clergeau, our rapporteur, to see if he can have the possibility to intervene, and then to our dear Commissioner Maria Gabriel for final remarks. Now I give the floor to Christophe Clergeau. Christophe, you have the floor. Can you see me and hear me? We can hear you, Christophe. Go ahead, please. Okay. Bon, je vais juste intervenir sur le dernier point. Je suis désolé que ce soit aussi décousu. Je voulais, pour conclure, du coup, insister sur l'impact de la crise sur les dépenses de recherche et d'innovation dans les différentes régions européennes. On l'a vu déjà lors de la crise financière de 2008. C'est souvent dans un second temps, après l'impact de la crise en tant que telle,
que ses dépenses baissent. Et aujourd'hui, les ressources nouvelles dégagées au niveau national et européen sont d'abord, et c'est normal, mobilisées pour financer les enjeux sanitaires et défendre l'emploi. Notre crainte est que très rapidement, dans les 2 ans qui viennent, les dépenses de recherche et d'innovation baissent et que les écarts entre les régions et entre les États augmentent de nouveau. Donc vous avez insisté, Madame la Commissaire, sur la mobilisation des fonds du plan de relance pour soutenir les efforts de recherche et d'innovation. Moi, je pense qu'il faudra aller plus loin et qu'il faudra, dans un an, un complément du plan de relance pour soutenir les efforts des villes, des régions et des États au service de la recherche et l'innovation. C'est indispensable pour aller de l'avant et pour répondre aux enjeux de la transition écologique et énergétique. Merci, chers collègues. Merci, Christophe. And now I give the floor to our commissioner, Maria Gabriel, for final remarks. Dear commissioner, you have the floor for 5 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président, chers membres du comité des régions. Un énorme merci pour vos remarques, pour vos suggestions, pour vos idées. Je vais tout de suite m'adresser d'abord au rapporteur Christophe Clargeau. Merci beaucoup, Monsieur Clargeau, des idées que vous avez exprimées. Merci beaucoup du soutien. Je dois dire que j'ai lu avec un énorme intérêt votre opinion et je dois dire que je prêterai une attention particulière, notamment sur certaines notes qui dévoilent des faiblesses comme les écarts entre les régions, entre les États membres, la fragmentation, tout ceci pour dire que de mon côté, d'abord dans le forum de transition, je m'assurerai ensemble avec mon équipe que le comité des régions fasse partie prenante. J'attendrai avec attention vos idées sur les RAHAP, c'est aussi une initiative qui me tient à cœur et je crois vraiment au rôle moteur des régions. Et pour ce qui est des écarts entre les régions et les investissements dans la recherche et l'innovation, évidemment qu'il faut aller au-delà du plan de relance et c'est pour cela, je trouve que nous avons le bon moyen avec le comité des régions. Dans notre Joint Action Plan, nous avons dit que tous les 6 mois, nous allons faire un état des lieux pour voir quels sont les avancements possibles, quels sont les obstacles et qu'est-ce qui doit être fait de plus pour pouvoir complètement développer ces initiatives conjointes que nous avons mises en avant. Merci beaucoup, Monsieur Varakali. Je vous assure que la coordination pour le groupe de travail entre la Commission et le comité des régions sera assurée. Encore une fois, j'insiste, mon équipe est déjà parfaitement au courant. Je voudrais qu'on suive de plus près la réalisation de notre plan conjoint. Et le premier rendez-vous est déjà donné au mois de juin, au moment des R&I Days. Je vais maintenant essayer vraiment de répondre par rapport à des idées qui sont très, très concrètes. D'abord, merci beaucoup à M. Cubard et M. Obersnel, nos capitales européennes de la culture, Galway et Rijeka. Je dois le dire, vous resterez les pionniers qui ont assuré vraiment le développement de l'idée de la capitale européenne de la culture à un moment fort, à un moment où il y avait une véritable menace. Et je voudrais encore une fois saluer tous vos efforts. Maintenant, il est sûr, nous devons continuer à veiller à ce qu'il y ait des synergies avec le Fonds européen de développement régional, que nous pouvons utiliser également ici les synergies avec l'éducation et l'innovation. Et je rappelle que dans les fonds de cohésion, 30% doivent aller à l'innovation. Et nous devons veiller à cette fois à ce que les régions soient complètement impliquées pour que ça puisse aller aussi davantage en faveur de la culture. Et évidemment, je soutiens les approches transversales que nous devons avoir. D'abord, la première qui est concernée, c'est moi dans le cadre de mon portefeuille, parce qu'il est vrai que le budget de Creative Europe a connu une augmentation de 60%, mais c'est largement insuffisant. Et c'est pour cela que j'attire de nouveau l'attention. Cluster culture pour la première fois dans le nouveau programme Horizon Europe, 900 millions d'euros. Ensuite, nous avons un nouveau kick avec l'Institut européen de l'innovation et de la technologie. La semaine dernière, nous avons finalisé les négociations. Nous voulons avoir ce premier kick mis en place le plus rapidement possible. C'est là l'approche décentralisée, c'est là les systèmes d'innovation locaux, c'est là où les régions peuvent véritablement aider ces artistes, ces micro-entreprises, ces start-up, et je verrai à ce que ça puisse avancer le plus rapidement possible. Merci beaucoup, Madame Christova, pour votre idée. Je la prends tout de suite.
Culture meets region, pourquoi pas? Je suis très ouverte, je discuterai très rapidement avec mon équipe et rapidement je reviendrai vers le comité des régions pour voir comment nous pouvons la mettre en œuvre le plus rapidement possible. Sur le rôle de l'éducation, c'est quelque chose qui me tient à cœur. N'oublions pas, au mois d'août, pour la première fois, j'ai lancé un appel de 100 millions d'euros dans le cadre du programme Erasmus+, avec ce que nous avons appelé les partenariats pour la créativité. Pour la première fois, nous avons proposé à ce que l'éducation et la culture travaillent ensemble au niveau local. Ce que j'attends maintenant de voir, c'est rapidement d'avoir une analyse sur la qualité des projets, de voir si l'intérêt pour ce type de partenariat va augmenter et évidemment que ça va me soutenir pour qu'ensemble avec mon équipe, on puisse de nouveau réfléchir comment on peut utiliser le programme Erasmus+, pour renforcer cette relation entre l'éducation et la culture. Mais je rappelle, c'est la première fois que ça a été fait au mois d'août et on doit de nouveau discuter sur les impacts qui sont très, très précis. Merci beaucoup, Monsieur Decoster, hein, vraiment un plaidoyer très, très fort avec une belle citation sur le Bauhaus. D'abord, je voudrais remercier parce que le comité des régions a accueilli très favorablement cette nouvelle initiative de la présidente von der Leyen. Comme vous le savez, avec la commissaire Ferreira, nous sommes chargés aussi de la gestion de ce dossier. Le 18 janvier, nous avons lancé notre site web. Ce qui est important maintenant, c'est que ceux qui souhaitent s'engager à long terme, ça veut dire nos artistes, nos créateurs, nos designers, pas seulement les architectes, mais nous avons besoin d'innovateurs. Ils doivent le montrer pour qu'ils puissent à ce moment-là être considérés les partenaires de la nouvelle initiative. Les partenaires seront ceux qui vont véritablement montrer leur engagement, leur durée, et je suis sûre qu'ici les régions ont un rôle clé à jouer. La même chose, vous savez que nous avons maintenant annoncé un prix Bauhaus qui cette année, au mois d'août, cet été, sera attribué à une dizaine de catégories qui restent à déterminer pour des projets qui tout simplement déjà montrent qu'ils sont capables de combiner les trois aspects, l'esthétique, la durabilité et l'inclusion. Et je suis sûre que ici les régions ont déjà ce type d'exemple. Je vous serai reconnaissante de populariser pour qu'on puisse ensuite donner un élan supplémentaire à cette initiative. Quand on parle de l'innovation et de la culture, évidemment que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je voudrais absolument insister. Deux questions supplémentaires. Le rôle des anciennes capitales européennes de la culture et le rôle des capitales européennes de l'innovation. J'ai proposé à ce que puisse être créé un réseau des maires de toutes les capitales européennes de la culture avec les maires des capitales européennes de l'innovation. Il est grand temps qu'on puisse profiter de nos expériences, de nos bonnes pratiques, qu'on ne perde pas beaucoup de temps parfois, et qu'on puisse à ce moment, dès le départ, faire profiter cette expertise à beaucoup de régions. Je voudrais rapidement ici agir à Madame Rampal. Vous avez parfaitement raison. Il faut maintenant une coordination pour le déconfinement, notamment dans le domaine de la culture. La semaine dernière, j'ai reçu une délégation avec Jean-Michel Jarre, Jean-Noël Tron. C'est exactement ce qu'on demande. Tous les États membres n'ont pas fermé tous leurs centres et les activités culturelles. Mais aujourd'hui, il est vrai qu'il est nécessaire d'avoir un maximum de coordination. C'est l'une des actions sur lesquelles Madame, le temps. Travailler. Oui. Si vous me permettez, je pense que j'ai pu identifier les grands sujets. Coordination, synergie, absolument étroite coopération entre le comité des régions et la commission dans le cadre des nouvelles actions. Merci de vos messages de soutien. Merci de vos messages, combien est important encore de populariser les nouveautés que nous avons entre nos mains, mais aussi de populariser les possibilités que les régions et les États membres ont maintenant grâce à nos appels. D'ailleurs, j'en profite une dernière fois. Je soutiens fortement l'appel du Parlement européen pour que 2% de plans de relance soient consacrés au secteur culturel. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'États qui ne l'ont pas rempli. Je compte sur le comité des régions pour qu'on avance sur ce point-là aussi. Merci. Thank you, Commissioner. Thank you so much for your input and thank you to all the members for their participation.